bande kona biso mbotena bino banso bana betu moyo wenu wandugu wapenzi wasikilizaji wa lugha la Kiswahili jambo wenu chers compatriotes mbotena benu bampangi analengo moyanyu. Eh bien, pour moi c'est bonjour, mais je vous dis également bonsoir parce que vous pourriez vous trouver de l'autre côté du globe terrestre. Et peut-être aussi l'heure à laquelle vous recevrez ce message, parce qu'il y en a qui regardent en différé. Voilà, bande Konabiso, Tokobanda, na sujet Ndenge Zaliwana. Donc, titre Nabiso Yalelo, Flash, RDC, la SADC à l'attaque. Avec les FARDC. La SADC à l'attaque avec les FARDC. Et puis le deuxième titre, CENI, des signes qui ne trompent pas. Oui, mais je préfère, chers compatriotes, Namakambia CENI. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des signes qui ne trompent pas. Alors, d'une façon globale, à travers aussi la méthode utilisée par la CENI, par grâce à son président Denis Kadima, nous nous rendons compte qu'avec le contrôle numérique, le contrôle de la géolocalisation des machines à voter qu'ils appellent les DEV, D-E-V. Chers compatriotes, je suis arrivé à la conclusion que il y a des signes qui ne trompent pas. Quand les machines sont géolocalisées, on peut savoir que la machine se trouve dans tel bureau. Et si on la vole, ou si quelqu'un la prend, ou un mauvais membre de la CENI la donne à quelqu'un qui l'a corrompu, la machine va se trouver dans un autre endroit. Même si c'est à 20 km. Denis Kadima va le savoir. Donc les techniciens, les informaticiens vont le savoir. Et il avait prévenu, mais les gens n'ont pas fait attention à ça. Ils ont cru que les choses se passeraient comme en 2018, en décembre 2018. Ils se sont trompés, il y a eu beaucoup de pièges. Les empreintes digitales, on prenait tous les doigts, tous les 10 doigts. Et quand vous appliquez votre doigt sur le visage de votre candidat, l'empreinte arrive au serveur central. Et en même temps, il y a une caméra qui vous filme. Voilà comment on est parvenu à découvrir les fraudeurs. Voilà, ça c'est le contrôle numérique, ça c'est l'aspect digital. Maintenant, allons dans l'aspect logique. L'aspect logique, c'est les signes qui ne trompent pas. Parce que là, dans le contrôle digital numérique, les évidences sont là, les preuves sont visibles, vous ne pouvez pas dire non, vous êtes attrapé la main dans le sac. Et par contre, dans les signes qui ne trompent pas, c'est des déductions que nous faisons après analyse. Voilà. D'abord, il y a eu à peu près
ce que j'entends plus, beaucoup plus, il y a eu à peu près 23 000 candidats pour 500, sièges. Hein. Comment voulez-vous que sur 23 000 candidats, tout le monde soit satisfait? Ou que même les poids lourds soient satisfaits? 23 000 candidats, vous imaginez ce que c'est? D'accord. Ça, c'est un aspect qui a poussé certains intellectuels qui raisonnent à se dire, finalement, il y avait quand même trop de monde. Tout le monde ne peut pas passer. Et des deux, il y a les proches du pouvoir, les proches du président de la République, qui n'ont pas été élus, ils ne sont pas passés. Vous vous imaginez à l'époque de Joseph Kabila que quelqu'un comme son directeur de cabinet, je parle par exemple de Guylain Nyembo maintenant, le directeur du cabinet du président de la République, mais si c'était Kabila et son directeur de cabinet, vous imaginez vraiment qu'il allait rater d'être élu? Je vous donne encore l'exemple de Roselyne Mbombo, la cousine germaine du président de la République. Eh bien, nous, les Bantous, nous ne disons pas cousine germaine, pour nous, c'est des sœurs, voilà. La sœur du président. Donc, en parlant du point de vue bantou, elle n'est pas passée. Vous imaginez que la sœur, la prétendue sœur de Joseph Kabila, Jeannette Kabila, à son époque, qu'elle rate l'élection législative, ayant été candidate, impossible! Impossible! Le directeur de la campagne électorale du président de la République, Jacquemin Chabani, n'a pas été élu. Vous imaginez ça sous Kabila? C'est des signes qui ne trompent pas. Des signes qui ne trompent pas. La princesse Kaïna, la présidente du, la ministre du portefeuille, elle n'a pas été élue. Elle n'a pas été élue. Imaginez un ministre ou une ministre de Joseph Kabila à l'époque, en 2018, qui pose sa candidature et elle n'est pas élue. Quelle honte! Ça ne peut pas se passer. Donc, c'est la preuve que, à l'époque de Joseph Kabila, les députés, les sénateurs, tous ces candidats-là étaient tout simplement des personnes qui figuraient sur une liste, une certaine liste, et qui ont été nommés. J'ai dit nommés parce que quand je prends l'exemple de Obin Minaku n'avait jamais postulé, il n'avait jamais battu campagne, et il est devenu député ou sénateur, quelque chose comme ça, voilà. Et ce n'est pas le seul. Voilà, chers compatriotes, c'est ça que j'appelle des signes qui ne trompent pas. Des signes qui ne trompent pas. Et je pourrais même vous donner l'exemple d'un frère de la première dame, Denise Nyakeru. Il n'a pas été élu. Alors, je demande à nos compatriotes qui sont frustrés de se diriger vers la
cour constitutionnelle d'aller réclamer là-bas. Et c'est jusqu'au 21 ans. Nos compatriotes qui sont frustrés, qui n'ont pas été élus, peuvent aller réclamer à la Cour constitutionnelle, comme Ngobila, qui figure parmi les tricheurs, l'a dit aujourd'hui que le président, non, hier, que le président leur a conseillé d'aller se présenter à la Cour constitutionnelle, d'aller réclamer là-bas. Mais il a déjà été débouté au Conseil d'État. Là-bas, ils se sont déclarés incapables, non, incompétents. Incompétents sur les dossiers parce que c'était une sanction administrative. Ils ont triché, ils ont été attrapés. Il y a des preuves. Le serveur est là qui montre tout, les empreintes, le nombre de fois que certaines personnes ont voté, les visages. Et il n'y a pas de doute. Hein. Alors ils se sont dit, bah, la vérité est là, la CENI a raison. Donc on les a renvoyés. Bah, ils ont encore la possibilité d'aller à la cour constitutionnelle. Eh bien, chers compatriotes, c'était brièvement ce que je pense, moi, d'une façon logique et d'une façon empirique. Et quand je dis d'une façon empirique, c'est le contrôle digital ou numérique. Oui. Et d'une façon logique, c'est-à-dire, j'ai raisonné logiquement, comment dire. En philosophie, je suis parti d'une généralité, j'ai estimé et j'ai tiré des conclusions. Et les conclusions s'avèrent vraiment acceptables par une personne qui a le bon sens d'entendre, de comprendre. Voilà, chers compatriotes, maintenant je vais vous parler de la SADC qui a commencé ses exploits avec les phares d'essai. Alors, quant à la guerre à l'Est, le général Falsicabue note que la force de la SADC a un mandat offensif et ils ont commencé. Alors, je vous informe que Kichanga a été récupéré. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Selon les informations, il y a eu 300 morts. Et j'en profite également pour vous informer que un drone, le nôtre, a tiré sur un camion blanc étiqueté ONU. Mais d'après les informations du secrétaire général Guterres, il a dit que nous, on n'est pas dans cette zone. Il y a des zones où nous nous sommes retirés. S'il y a un camion qui est dans cette zone-là, ce n'est pas nous. Vrai ou faux, c'est à vérifier. Bon, il y en a qui pensent que il est en train de mentir, mais nous avons déjà vécu des cas où les Rwandais utilisent leurs hélicoptères parviennent à peindre ça en blanc, à mettre les sigles de l'ONU, ONU, ONU, et ils viennent chez nous. Ça, on a déjà vu. Mais on sait aussi que la MONUSCO, donc
l'ONU, la MONUSCO, a déjà été attrapé la main dans le sac en train d'aider les rebelles. La raison pour laquelle le peuple congolais est en colère et a contribué beaucoup à ce qu'ils partent. Voilà. Nous ne voulons pas d'eux. Ils peuvent partir. Pour moi, ils pouvaient partir même tout de suite. Voilà, chers compagnons, ce qui est vrai, ils sont morts en grand nombre. Tous ceux qui étaient dans le camion, y compris peut-être des responsables de la MONUSCO ou des militaires de la MONUSCO, s'ils ont collaboré avec les Rwandais ou avec le M23 RDF, mais je pense que c'est des Rwandais. Nous disons M23 tout en sachant que c'est des Rwandais. La mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en République démocratique du Congo. Sami DRC, oui, SAMIDRC, en sigle. Donc, je répète, ça s'appelle la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en République démocratique du Congo. Sami DRC, oui, en anglais, c'est à l'envers. En sigle, est offensive aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette information a été confirmée par le lieutenant général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, à l'issue d'une réunion tenue le mardi 16 janvier 2024 avec les responsables de la force de la SADC en RDC. Les habitants pris en otage par le M23 RDF et la population du Nord Kivu doivent savoir que cette force est différente de celle de l'EAC. La SADC vient avec une mission offensive pour nous aider à déloger toutes les forces négatives qui sèment la désolation dans la partie est du pays, a indiqué le lieutenant général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu. Hein? Et puis, nous pouvons faire confiance à la SADC parce que parmi eux, il y a les Sud-Africains. Et les Sud-Africains, bon, ils doivent nous aider dans le cadre de notre organisation selon laquelle un pays membre, s'il est attaqué par des ennemis, par solidarité, nous aussi, on entre en guerre pour aider ce pays-là. Voilà. C'est stipulé dans les articles de cette charte-là de la SADC. Et je vous informe aussi, chers compatriotes, que l'Afrique du Sud, particulièrement, a des intérêts en RDC. Donc, des intérêts qui concernent le barrage d'Inga. Vous savez que notre électricité du barrage d'Inga arrive jusqu'au Katanga, jusqu'à Lubumbashi. Et il y a des lignes de haute tension qui continuent, qui traversent la Zambie, qui peuvent arriver jusque en Afrique du Sud. Alors, nous avons confiance en eux. Nous ne pouvons pas penser qu'ils vont faire ce que les Nilotiques kényans, sud-soudanais, les Ougandais, ce qu'ils ont fait. Là, ils sont venus, ils ont pactisé avec les M23 RDF. Ils s'embrassaient, ils buvaient ensemble. En fait, ils ont
collaboré. Ils ont empêché même les Wazalendo de combattre les vrais M23 RDF. Voilà, ça ne va pas arriver avec la SADC. C'est ça que nous explique le lieutenant général Fall Sikabwe. Voilà, chers compatriotes. Alors, on continue. La présence de la SAMI DRC témoigne de l'engagement des États membres de la SADC à soutenir la RDC dans ses efforts pour atteindre une paix et une stabilité durable et finalement créer un environnement propice au développement et à la prospérité durable. Il s'agit de noter que le pacte de défense mutuelle de la SADC, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, souligne que toute attaque armée perpétrée contre l'un des États partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale et sera rencontrée par une action collective immédiate. Vous avez entendu? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est notre OTAN. La SADC, c'est notre OTAN. Les pays de l'OTAN, vous savez, ce qui se passe avec les pays de l'OTAN. Quand il y a un seul pays de l'OTAN qui a attaqué, on a attaqué tout le monde. Allez, tout le monde rentre en guerre. Voilà, c'est ça. Je répète, Balobi était na ba eta ya SADC soki moko soki pei moko azali attaqué menacé c'est-à-dire bango nyonso ba koti na bitumba mbala moko ya kozela te. Eh bien, mais là, bon, dans le cas d'espèce, ça a pris quand même du temps avant que la SADC ne vienne, hein. Et voilà, j'espère que cette fois-ci, avec la SADC, nous allons en finir avec ces M23 RDF. Le problème, c'est que l'espace congolais, c'est très grand. Il y a beaucoup d'espaces non habités, la brousse, le parc de Virunga et tout ça. Mais bon, ce n'est pas une guerre très, très classique, hein. Ils viennent, ils prennent une ville, ils attaquent, les habitants fuient, après les Wazalendo reviennent, ils reprennent, ou les FARDC, ils s'enfuient, ils vont à 10 km, 20 km, attendre le bon moment pour venir réattaquer. Ça a été un jeu de ping-pong, mais cette fois-ci avec la SADC qui vient avec une mission offensive, je pense que c'est la fin de Paul Kagame. C'est le glas qui sonne pour Paul Kagame. Et ce que je pense, moi, c'est que cette guerre doit continuer jusqu'au Rwanda. Il est temps de réunir le Parlement pour que le président puisse déclarer la guerre contre le Rwanda et qu'on attaque le Rwanda. Nous ne serons jamais en paix. Regardez par exemple le Burundi. Le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda. Malgré leur situation économique vraiment triste, ils ont fermé la frontière pour éviter les velléités de Paul Kagame de faire un coup d'état, d'installer des Tutsis à la tête du pays, qui sont même très minoritaires au Burundi, y compris même au Rwanda. C'est un raciste, hein. Paul Kagame, c'est un raciste, hein. La domination au Rwanda, elle est Tutsi.
Et même les militaires qui viennent là, c'est des Tutsis hein, qu'il fait passer pour des Banyamulenge révoltés. Et les Hutus occupent des fonctions subalternes, ils sont forcés. Et puis, ceux qui meurent plus, il paraît, j'ai entendu, d'après certains analystes, ils meurent beaucoup plus. Comme s'ils voulaient réduire leur nombre. Ah. C'est les Bantous, c'est eux qui sont plus nombreux au Rwanda, hein, plus de 80%. Voilà, chers compatriotes, c'était brièvement pour vous mettre au parfum de la situation de la guerre dans l'Est et vous donner mon point de vue raisonné, méthodique sur la situation de la CENI. La CENI est dans le bon. Denis Kadima est une star. Il a bien réussi. Oui, j'ai appris que le camp Katumbi a accepté finalement de siéger. Il réclamait l'annulation des scrutins, mais bon. Il y a eu rétro-pédalage. Je vais vous lire un article là-dessus. Ils ont dit que les 28 députés élus peuvent désormais siéger. Ils ont dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. Elle ne paye pas et nous avons là-dessus un exemple chers compatriotes, il y a Martin Fayoulou qui est tout seul maintenant, il n'a aucun député, il n'a gagné ni l'élection présidentielle ni les députés. Il avait dit à ses partisans, allez, n'allez pas à ces histoires. La politique de la chaise vide. Hein. Et l'autre aigri, là. Notre compatriote Franck Diongo. Franck Diongo. Il n'est plus rien. Rien du tout, maintenant. Ni député lui-même, ni même aucun député de ses membres. Quelle honte! Il devait se mettre du bon côté de l'histoire et avoir, prendre patience. Il a été corrompu, il a accepté l'argent de Moïse Katumbi et voilà où nous sommes. Voilà où nous sommes. Voilà, chers compatriotes, c'est ça qu'on appelle la politique de la chaise vide et ensemble de Moïse Katumbi a rejeté cette politique de la chaise vide. Alors, toujours avec FoxTimes.cd, les législatives nationales, les députés élus, bon, ce n'était pas prévu dans les titres, mais je peux en parler puisque, bon, je voulais vous en faire part aussi que désormais, ils vont siéger. Les députés élus sur la liste du parti Ensemble pour la République vont siéger. Ça, c'est Olivier Kamitatu qui le dit. Dans une interview accordée ce jour à la Radio France Internationale, Olivier Kamitatu, proche collaborateur de Moïse Katumbi Tiapoye, a fait savoir que les députés nationaux élus sur la liste du parti Ensemble pour la République vont siéger à la chambre basse du Parlement congolais. Pour lui, la politique de la chaise vide n'a jamais été bénéfique, tout en précisant que son leader Moïse
Katumbi est un homme de constance républicaine qui n'accepte pas la tricherie. Nous avons voulu défendre des valeurs et de ne pas accepter la tricherie en manifestant de manière tout à fait pacifique pour ne pas ridiculiser le peuple congolais qui a droit à de bonnes élections. Nous continuons à rejeter les résultats de ces élections dont les machines à voter ont été distribuées en divagation par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a déclaré Olivier Kamitatu sur les ondes de la Radio France Internationale. Eh bien, chers compatriotes, nous devons comprendre que ça, c'est un langage d'un opposant. Eh bien, dans un régime démocratique, il faut aussi l'opposition. L'opposition est nécessaire parce que l'opposition critique, dénonce et en même temps, le régime en place démocrate essaye d'évoluer dans le bon sens pour éviter. Mais il peut s'avérer aussi que ces critiques soient fausses. Par exemple, dans le cas d'espèce, qui a triché? Bon, dans l'élection présidentielle, on a constaté qu'on a essayé de tricher dans le Katanga par l'opposition. Et il y a eu des tentatives de piratage du serveur. Vous connaissez l'histoire. L'Union européenne qui est arrivée, la CINCO qui attendait publier des résultats imaginaires et tout ça. Et vous vous souvenez des résultats qu'on a donnés sur Internet que Moïse Katumbi aurait gagné avec 64%, etc. Et tout ça imaginaire. Mais ça peut être faux, toutes les critiques ne sont pas avérées. À la question de savoir si l'Assemblée pour la République va saisir la justice pour contester les résultats provisoires des élections législatives, l'ancien speaker de la Chambre basse du Parlement a souligné que sa formation politique n'a pas foi à une justice qui est sous contrôle du régime en place. Voilà, c'est leur point de vue. Je ne suis pas là pour faire leur promotion. Voilà. Parce que moi, je soutiens le régime. Mais je dis que leur colère, leurs critiques ne sont pas avérées. C'est la liberté d'expression, ils peuvent parler comme opposants. Mais ils ne peuvent pas prouver, ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, Bandeko, Tosukiwana, et je peux dire, comme je dis toujours, que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et nous allons terminer en musique, en une musique brève, comme d'habitude, parfois.